Hello les amis, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, j'espère. Non, il fait pas chaud. Il fait beau, mais il fait pas chaud. J'espère que tout le monde va bien. Ici, c'est la grande pêche. Même si le réveil à 4h du matin, je ne vois rien avec mes lunettes. Voilà. Même si le réveil à 4h du matin a piqué un peu, je n'ai pas pu me rendormir. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, surtout, je récupère mon petit toutou d'amour. Voilà, c'est le jour J, je vais récupérer ma petite boule de poil, donc à 1h30 de la maison. Mais c'est cool, c'est cool. Donc là, je suis chez Brico parce que je vais aller chercher les jouets qu'il me manque. Après, je vais faire des courses puisque du coup, je ne pars pas toute seule. Mon papa va venir avec moi et vu que les nuits sont assez compliquées de son côté, il faut qu'il puisse se reposer un petit peu avant. Donc je récupère les loulous, on mange Fissa, je les récupère, enfin on part et je les dépose chez mes parents et après bamos. Et ce soir, la vie changera définitivement, enfin au moins pour les 10-15 ans à venir. Voilà, ça va être génial. Je sais que dans le quartier, c'est pas très bien vu, il est pas attendu avec hâte. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je m'en fiche! Voilà, allez, là c'est parti, je vais aller chercher les joujoux qui manquent. Bon voilà, alors. Du coup, petit père, il aura ce petit doudou, une espèce de corde avec. C'est très typique d'ici, hein, des petites meules. Une autre meule d'ailleurs. Elle est où sa tête? Là. Voilà. Je lui ai pris aussi ça, une autre corde, et puis un petit dino, genre anneau à mâchouiller. Voilà, il a tout ce qu'il faut. Donc, bon, bah là c'est bon, je suis contente. Il va pouvoir arriver tranquillement. Là, je vais aller faire mes petites courses. Et après, on va aller finir de préparer. Les courses sont faites. J'ai failli mourir en mangeant un bout de pain. Nickel. L'enfer. Et il y a un truc qui m'agace. Je me pose absolument seule dans mon petit coin de parking. Je suis au bout, hein. On peut pas faire plus loin du magasin, en fait. Eh ben non. Il faut qu'ils viennent tous se coller. Ça leur donne quoi, les gens? Sérieux, de se coller les uns aux autres, putain. Il y a de la place de partout. En plus, on est dans un... On est quand même dans un endroit où... Décidément... Oh. Avec traverse, c'est pas génial. Hein. Mais je sais pas, il y a un très très grand parking. C'est une heure où il n'y a pas trop de monde. Ils viennent tous se coller à toi. Je crois que je vais vite rentrer chez moi, boire un coup. Parce que là, je vais crever. Et ça y est, on est sur le départ. J'ai mis une tenue qui craignait pas. On sait jamais s'il peut vomir ou je ne sais quoi. Donc, du coup, je suis parée. J'ai la laisse, le harnais, le chéquier, forcément aussi. Mais on tient le bon bout là. Hello à tous, on est le lendemain. Donc on est bien arrivé à la maison avec le petit loup.
Unique, c'est assez bien fait. La maison, bon, il avait beaucoup couiné, ce qui est normal. Il sort de l'élevage. Il lui restait encore une sœur, je crois. Et puis bah, sa maman, donc un peu compliqué. Mais c'est un petit chiot qui est adorable. Franchement, c'est un petit amour. Il est propre. Donc, à peine arrivé, il n'a pas fait du tout de la nuit à la maison. Même la journée, hein, on sort en conséquence, hein, bien sûr. Mais franchement, pour le moment, rien à dire. Il a dormi dans ma chambre puisque Bichette, il avait besoin d'avoir quelqu'un pour le rassurer. Niveau acceptation des chats, nous en avons un, notre Matou, qui adore dès qu'on arrive. Bon, il se prend un peu pour un toutou, hein, mais il se pose derrière la porte et quand on arrive, bah, il nous accueille comme un chien. Et hier, du coup, quand on est arrivé, bah, il s'est retrouvé nez à nez avec lui. ce qui lui a paru un peu bizarre. Hein. Donc, on a eu le droit à un chat qui avait triplé de volume. Quant à Luna, franchement, je m'inquiétais pas déjà pour elle. Mais elle lui va, elle lui fait des câlins, elle se frotte, elle le surveille du coin de l'œil quand il dort au pied du lit. Elle dort juste au-dessus, sur le lit. Donc franchement, non, c'était bien. Maintenant, je suis fatiguée. Je me suis levée quand même à 1 heure et... Enfin, 1 heure et quelques et 4 heures et des brouettes pour que le réveil sonne à 6h45. J'étais pas très très en forme cette nuit, pas terrible, terrible. Mais bon, on va voir au fil des jours. Il n'y a pas de raison que ça s'améliore pas. Là, je pense qu'il dort. Je suis sur le parking de chez Lidl. Je vais essayer d'aller trouver de l'essence quelque part. Et puis, comme ça, il dort et il dit rien quand je suis pas là. Il fait pas de bêtises. C'est un petit amour, en fait. C'est ça. C'est vraiment un petit amour de toutou. Donc voilà. Donc là, je vais finir mon petit tour et puis on va aller voir s'il va bien. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il aille pas bien d'ailleurs. Il mange, il boit, il sort, il joue. Non, franchement, c'est génial. Voilà. Bon, allez, je vais finir mon tour et après, on ira le voir.